Coucou les amis! Regardez, j'ai un nouvel ami pour ce mois de décembre! On va faire ensemble les vidéos! Il y en aura une par jour! Alors, n'hésitez pas à vous abonner! Et surtout, pour bien écouter l'histoire, il faut frotter ses petits yeux pour bien regarder, frotter ses petites oreilles pour bien entendre et surtout, s'installer confortablement. Bonne lecture! À tout à l'heure! Livre Grund. Mon ami des neiges. Quelle belle journée d'hiver! Toute la matinée, Petit Lapin a ramassé de la neige pour faire un bonhomme de neige. C'est très joli, Petit Lapin, dit Papa Lapin. Pourrais-tu finir ton bonhomme plus tard? J'ai besoin que tu cueilles des baies pour le thé. Mais mon bonhomme sera triste si je le laisse, répond Petit Lapin. Tout ira bien, rassure papa. C'est juste un bonhomme de neige. Il n'existe pas vraiment. Mais si, il existe, proteste Petit Lapin. Évidemment qu'il est réel, puisque c'est mon ami. Papa Lapin sourit et embrasse Petit Lapin. Ne va pas trop loin, ajoute-t-il. D'accord, répond Petit Lapin. Une pour le panier. Pour moi, chante Petit Lapin en descendant le chemin. Le jus des baies rend ses pattes toutes violettes et toutes collantes. Petit Lapin s'amuse tellement qu'il ne voit pas la neige tomber. Puis, un rouge-gorge virevolte devant lui. Il le suit en dansant sous les branches et les flocons de neige. Soudain, le rouge-gorge disparaît. Petit Lapin jette un coup d'œil autour de lui. Il ne se rappelle plus de son chemin. Tout semble étrange avec ce tourbillon de neige. « Que vais-je faire ?» se dit Petit Lapin. « Comment vais-je rentrer ?» Soudain, il aperçoit une douce lumière entre les arbres. Un sourire apparaît derrière les flocons. « C'est son bonhomme de neige !» « Je savais bien que tu étais réel, » dit Petit Lapin. « Pourtant, j'étais tout seul. »« Pas tout à fait seul, » sourit Bonhomme de Neige. « J'étais à tes côtés, mon ami. J'étais là pour toi. » Bonhomme de Neige caresse la fourrure de Petit Lapin et l'installe sur ses épaules. « Je te ramène chez toi, » dit-il. « Tiens-toi bien !» Et hop, il glisse le long de la colline. « Waouh !» avant d'atterrir sur un tas de neige, près d'un ruisseau gelé. C'est parti ! Lance Bonhomme de Neige en prenant Petit Lapin par la patte. Comme emporté dans un tourbillon de givre, il a l'impression de voler. Je rentre à la maison, papa ! Crie Petit Lapin. Puis, Bonhomme de Neige interrompt sa course au pied d'une colline. « Maintenant, il faut marcher !» dit-il en prenant Petit Lapin dans ses bras douillés. « C'est encore loin oh !» bâille Petit Lapin. « On est presque arrivé !» répond Bonhomme de Neige. Pendant ce temps, Papa Lapin est très inquiet. Tremblant de froid, il marche sous le vent glacé en criant. « Petit Lapin, où es-tu, Petit Lapin ?» « Papa !» répond Petit Lapin en entendant l'appel de son père. Il descend des bras du bonhomme de neige et fonce vers le jardin. Papa Lapin le serre fort contre lui. « Oh merci, tu es sain et sauf !» dit-il. « J'étais si inquiet de te savoir tout seul dans la tempête !» Je n'étais pas seule, répond Petit Lapin. Bonhomme de Neige a pris soin de moi. Ah, vraiment ? Sourit papa. Quant à Bonhomme de Neige, il se tient bien tranquille dans le jardin.
Petit Lapin lui sourit et il en est certain. Bonhomme de Neige est bien réel, car il lui sourit aussi. Alors les copains, cette vidéo vous a plu? Si c'est le cas, appuyez sur le pouce en l'air. Et surtout, abonnez-vous! Twing, 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 twing! Pour ne louper aucune autre vidéo. Parce qu'en décembre, c'est tous les jours une vidéo. Super! Alors, abonnez-vous! À demain les copains, salut!